C'est la bonne scène. Donc, des puzzles. Finky Gem. Je sais plus trop où j'en étais, mais on va retrouver. Submission Order. La passing que j'avais fait. Mais il en manque. Ah oui, non, ok, ils avaient pas. J'avais été jusqu'à Ultimate Javelin Golf. Extreme Curling, j'ai pas fait. Ok, bon, on va en ouvrir quelques-uns. Hop. Alors, on va tenter de faire une ligne entière. Il en reste quoi? 4. On verra bien combien de temps ça prend déjà. Alors. Premier jeu. Extreme Curling par Flummox 3D. Je sais plus si le nom me dit quelque chose. C'est un jeu. Un jeu puzzle script qui est très petit et on peut pas zoomer, on dirait. This is extreme curling. All you need to know is that the stone slider is that the stone slides on ice. And a few more things. 1 sur 25. Ok. Bon, bah, c'est petit. Ouais, non, pas. Je clique là-dessus, ça vient là. Tant pis. D'accord, donc la pierre glisse sur la glace, mais elle va pas sur l'herbe. Learn quickly. Ce que je peux faire, c'est peut-être zoomer comme ça à la main. Voilà, on va faire comme ça. Party dancing. D'accord, donc les trucs là, ça bloque. Nous, on peut se déplacer comme on veut. Use the broom, Luke. Oh! C'est du curling, donc. On peut nettoyer des trucs. Rigolo. Oh, Mulder. Alors, on peut faire ça. Ah ouais, ok. Si on le met là. Ouais. Keep in line. Il peut faire ça. Peut pas faire ça par contre. Ok. Ah merde. J'ai pas vu les murs. Là, c'est bon. Ok. Déjà 6 sur 25. Round, round, baby. Ça a pas l'air très différent d'avant. Pure movement. Ah non, pas comme ça. Si on fait ça, il est bloqué. Le début, c'est ça. Donc déjà, il faut bloquer lui, genre là. Non. Ah mais non, à gauche. Enfin, à droite. Voilà. Tu viens ici en attendant. Et toi, tu viens là. Déclutter. Alors, je pense que là, le piège, c'est d'enlever le... Ça. On va faire le tour. J'aurais dû faire le haut en premier.
C'est fait pour. On peut venir là pour faire ça ensuite. Swoop, oula. D'accord, donc là on trace un trajet. On pourrait aller plus loin, mais ça sert à rien. Et là, bah, j'imagine que on descend. Voilà, et voilà. Careful, not to burn stones. With lava? Shouting lava, lava, lava. Je suis mort. Lui aussi est mort. Qu'est-ce qui se passe dans la lave avec ça? Ok. Globalement, on n'aime pas la lave. Disposable quelque chose. C'est quasi. Ça ressemble un peu au niveau d'avant. La question c'est pourquoi on pourrait pas juste faire ça? Ah, parce qu'on peut pas aller plus loin. Si on peut. D'accord, donc il faut pas qu'il y en ait qui soient pas sûrs des buts. Clickety-clack. Donc là, on a besoin des deux. D'accord. Make room. Donc il y en a un qui doit mourir et pas l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever ça. Voilà. Celui du bas, il va servir à stopper. Lui, il s'arrête. L'autre, il meurt. On en a de toute façon plus besoin. Et lui, voilà. Effectivement, moi, je peux pas passer. Callback. Oups. Ah ouais, merde. Si, il n'y a que moi qui peux pas toucher ça. Si lui vient là en attendant. Hop. Arab wanted to give you a partner. Curling in a team sport is a team sport. Try to be nice. Non, on les contrôle les deux en même temps. There's a team in New York. Wait, no. There's working team. Never mind. There's no team, anyway. C'était rigolo ça. Donc froid faith, ça veut dire que ça va s'arrêter quand on est là, donc il faut bloquer le truc quand il est là. La question c'est comment on l'amène. On l'amène sûrement par en bas, parce qu'il y a de la place. Le problème, c'est qu'on peut pas faire ça tout de suite, il faut faire passer le balai avant. Voilà. Sinon, on peut pas le décoller. The Hammer Cliff. Ok.
Donc toi, c'est bon. Non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ah, parce que ça arrête pas. Le niveau se finit pas. Il faut d'abord faire lui. Et ensuite lui fonctionne. Ok. Crucial. Le balai, il peut venir là. Ensuite, est-ce que j'en aurais besoin? Ouais. J'en ai besoin par là. Voilà. Le jeu, il est assez sympa, hein. Il y a plein d'autres Sokoban où ce petit coin-là qui m'a servi à pousser le balai, il n'aurait pas été présent et j'aurais dû trouver un autre moyen de tout pousser. Broom, broom, broom. Broom indeed. Je peux pas juste. Ah, maintenant je peux pas juste. Là on a un Zelda. Ah ouais, mais. Voilà. En bas, par là. Et toi, pareil. Maintenant, tac. Et enfin, marathon. Ah! Alors, toi, je peux te mettre là, mais je peux pas sortir après. Je peux pas sortir de la zone, mais c'est ouvert. Toi, t'es simple. Toi aussi. T'as besoin d'être nettoyé. Toi aussi. Ah non, même pas. Ok. Passe ici pour. Ah non, j'avais besoin du balai. J'ai besoin du balai pour lui. Alors là. Voilà. Et j'avais pas fait gaffe, je me suis bloqué en haut. J'ai pas fait attention. Oups. Bon, reprenons. En haut. En haut. J'ai peut-être avoir besoin du balai aussi pour lui. Ouais, c'est possible. On va faire ça pendant qu'on est là. On va faire ça. Pendant qu'on est là. Donc, si tu vas de l'autre côté, tu gênes personne. Voilà. Là, tu gênes personne. Toi, ici, tu gênes encore personne pour l'instant. Toi, si tu es là, tu gênes personne. Toi, si le balai est là, c'est bon. Je crois que c'est bon cette fois. On finit avec la lave. Voilà. On va dézoomer. J'imagine qu'il n'y a pas d'autres, pas trop d'autres jeux. Ah si, quand même. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de mode. Vas-y, je te laisse agrandir l'image. Perfect Pace. Ouais, j'ai bien aimé que ce soit pas trop compliqué. Genre, il y avait des nouvelles idées, mais ça allait jamais dans le trop difficile. Chess Battle Automized par Heartless Games.
Heartless Games, c'est ce qu'on fait Mind Super Variant. Oui, d'autres choses. Chess Counter Sport. Ce Chess Battle Advance Counter Extreme Sport. Ouh! Attention, c'est Unity, est-ce que ça va marcher? Chess Battle Automized. Quoi? Niveau 1, round 1. White Knight HP 10. Border Village HP 3. Just Militia. Round séquence. Les ennemis arrivent en haut. Oups. Ah, on voit leur mouvement. Place a piece. On place une pièce en bas. Ok. Et ensuite, toutes les pièces bougent. Quand une pièce arrive... Ok. Donc c'est un espèce de tower défense. Quand une pièce arrive de l'autre côté, ça fait des dégâts. Alors, order. Quoi ? Power, speed. Piece priority is written on the bottom left. D'accord, donc ça c'est la première à jouer. C'est dans l'ordre qu'on les ajoute. Move. Unless other specified, the piece can move forward equal to its speed. Une capture si ça arrive sur une pièce ennemie. Certaines pièces ont des moves spéciaux qui permettent de capturer. Donc toi... Power, Order 1, Speed 1... Mettez que Capture Move offre plus to Speed. Le lancer, il peut aller à 2 de distance, enfin 3 de distance du coup. Plus 1 de Speed dans la Spawn Area. Donc là, ça ferait ça. Scout. Lui, il est rapide. Spawn et Guardian. Quatre captures in left and right direction. Ok. Donc lui, si je le mets là, il peut capturer ceux qui sont là. Ok. Ouais, power. Un piece capture another compare the power. The attacker's power is equal to higher. The defense is removed. Donc lui, il a... Power 1, donc n'importe quoi peut le capturer. De toute façon, tout a 1 de power. Mais s'il avait power 2, on pourrait pas le capturer. Salut, Kaga. Comment ça va? Et enfin, attacker is removed. Ah, et on peut perdre. Le pouvoir sauve aussi la vie. Ok. Bon. Border Village 3 HP, je vais mettre une milice. Ici. Voilà. Là, il y a une milice qui joue en troisième. Je vais mettre un pion. Non, pas encore. Je vais mettre un gardien ici. Parce qu'il pourra... Hop. Oula, une milice. Ah, mais je m'en fous parce que je joue avant. Je crois. Je vais mettre une autre milice ici. Là, le gardien, il fait pas... Ah non, il fait pas ça du tout. Merde. Merde. Non, mais là, si je mets une milice, je le capture. D'accord, donc pour capturer, il faut que ce soit leur tour de bouger. Donc selon l'emplacement, ça peut être avantageux de bouger après. De toute façon, là, j'ai gagné. Hein. Il y a toujours une milice. Paf. Là, par contre, il va bouger avant moi, donc il va me capturer. Par contre, lui, il va bouger après. Choose a new piece. Heal. Heal 0 HP. D'accord.
Amalgamate. Sacrifice a friendly piece and gain its power. Castling. Deploy swap position with target ally. Twins. Summon of copy and mirror position. Ouais, vas-y, twins. Qu'est-ce qu'il fait? Plus de speed. S'il n'y a rien devant. Donc là, on va tout de suite mettre une milice. Voilà. Tac, tac. Par contre, il va me capturer, donc ça va pas. Si je mets un gardien ici, ça va pas aller non plus. Le scout, il a 2 de speed. Il va faire ça. Moi, je vais faire ça. Ensuite, il va faire ça, il va me bouffer. Lancer. Il peut capturer à plus de speed. Donc là, il capture, je crois. Voilà. Bandit? Oh, le salaud. Donc là, lui, il me bouffe. Vas-y, pawn sur le lui. Voilà. Et là, je peux mettre une milice. Une autre milice. Le scout, il est chiant. Quoique, non, il va bouger de 2. Je lui remets une milice. Encore une fois, le bandit. Tac. Un peu trop sur la défense, mais... Bon, c'est comme ça. Twins. Gagné. Zombie. S'il est détruit, il revient dans la rangée du bas. Ça soigne quand il arrive en face. Ça soigne. Vas-y, donne-moi un zombie. Alors, lancer, ça va être tac, 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 tac. Donc là, quoi que je fasse, si je mets un truc sur le côté, je vais mourir. Donc, j'ai pas intérêt à le faire. Je vais mettre un zombie ici. Maintenant, si je mets mes twins, ils avancent, j'avance, ils avancent, j'avance. Donc là, je mets mes twins et je me débarrasse des deux. Ensuite, ils ont des lancers. C'est un peu chiant, donc je vais mettre mon gardien. Gardien, ça fait tac, 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 tac. Ouais, gardien, hop. Ah merde, le... J'avais pas fait gaffe que c'était des lancers. Ah bah j'ai... Le gardien qui va bouger ici, mais ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Pip, pip, pip. Ah, et puis il peut pas faire les deux en même temps en fait. Oh l'enfer! Donc là il va me bouffer. Aïe aïe aïe! Et merde. Une grande summon to lancer. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Curse Blade, power 2. Speed 2. Un bandit. Une vipère. Capturer une pièce. La puissance plus haute. Ok, et ça me heal. Je vais tenter le bandit. Cette riposte tech damage summon un extra piece. Ok. Et il a un lancer. Ce que j'aime pas. Si je mets un gardien là, je crois que c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Power 2, order 3.
Power 2, c'est chiant ça. Mets un zombie pour voir. Merde, il va se faire tuer en premier. Si je mets un scout, qu'est-ce qui se passe? Même là, parce que lui, il peut capturer 2-3. Le scout, il avance de 1. Et le lanceur, il capture 2-3. Le lanceur, il est trop fort. Et si je mets un bandit, bah non, c'est pas bien. Warrior! Can capture une front left and front right direction. Merde. Ah non, c'est bon. Crois que c'est bon. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je mets mes twins ici. Et lui, il rejoue encore après. Non, mais oui, il va avoir un d'attaque. Pourquoi le Warrior, il est en quatrième? Ah non, c'est bon, c'était le Guardian. C'est chaud là. Je crois que j'ai perdu. Donc j'ai perdu. J'ai plus de musique aussi. Mais il invoque tellement de trucs. Adieu. Try again. Non, c'est trop chaud. Les lanceurs, ils sont trop compliqués. Il n'y a que des lanceurs. Try again, il marche pas. C'est intéressant, c'est intéressant. Je lance si... Quoique, si je vais refaire un try again. Et je vais voir si en prenant un truc avec plus de PV, ça aide. Parce que tu peux pas en avoir des masses non plus. C'est un peu embêtant. Je remets de la musique. Est vraiment courte cette OST. Tac. Ah oui, non. Non. Faut enlever ça. Ça. Et on va enlever aussi ça. Ça. Alors, relou le gardien, il m'a bloqué. Fait, quand il y a une milice en face, il suffit de mettre une milice de ton côté et c'est bon. Alors, Heavy Infantry, done. Donc, le fils, il avance de 3. C'est pas un problème ça, parce que là, il avance de 3, ensuite, il avancera de 1 et je le boufferai. Donc je vais mettre le scout. Contre le scout qui avance de 2, je peux mettre une milice aussi. Bon.
Donc là, on a un bandit. Encore une fois, une milice, ça suffit. Un troll? Deux de power, deux de speed. Sacrifier un friendly. Trent. Bouge une fois sur deux. Ouais, vas-y, ça fait de la défense contre des lanceurs, parfait. Donc là, ils vont m'attaquer, ils vont mourir parce qu'ils ont que un power. Normalement. Ensuite, si je mets une milice derrière lui, ça pourra contrer le lanceur si jamais il le tue. On va mettre un gardien ici. Merde, j'ai mal compté. Bon bah, une nouvelle milice ici. Ah oui, j'ai mal compté. Oups. Poum, 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 poum. Ok, on va tenter d'aller vite. Si je mets mon propre lanceur, ça devrait être bon pour eux. Là c'est bon aussi. Donc non, faut pas que je mette. Si je mets quelque chose ici, ils vont accélérer. Donc hop. Wall cannot move. Twins. Copie. Cursed Blade. C'est détruit, ça fait des dégâts. Il n'y avait pas quasiment le même, mais qu'il y avait un autre monteur. Power 2, speed 2, allez. Lancer, on met le Trent. Ah mais je l'ai plus. Parce qu'il est mort, je l'ai plus. C'est méchant ça. Tuer ce salaud. Lui il le tue et lui il bouge sur le côté. Allez. Merde, il y a une heavy infanterie derrière. Oh. Ah mais non mais il est là mon Trent. Oh bah je sais pas ce que je suis aveugle. Il garde son power. Warrior, il fait quoi lui? Qu'elle capture une front left, front right. Et ben, on va te scout. Merde, je l'avais pas vu lui. Je pensais que ça passait. Scout, il bouge de deux. Donc là. À l'aide. Mais ils ont des heavy infantry et tout. Impossible.
Le scout il va finir déjà. Quoique, non, il va bouffer lui. Monster, je sais pas. Okay, on peut s'en sortir. Le problème, c'est qu'il lui reste un PV. Je vais lui faire un dégât et je vais prendre plein d'unités dans ma tronche. Voilà. Et là, je suis censé lui faire un dégât avant qu'il m'en fasse 5. Ils ont des lanceurs partout. Il me faut 1, 2, 3, 4 tours. Il faudrait qu'il invoque rien ici. Et dans 4 tours, j'aurais pris 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Je peux peut-être... Quand le lancer sera passé, prochain tour. Ah non, le scout il avance de 2, bah oui. Ouais, il m'a bien défoncé. Hein. Mais en plus, il m'arrête là. C'est trop dur! Alors, boarding zone par Aspeon. A clairement fait d'autres jeux pour les jams et le calendar. Dutrix Collect Letters. Collect all five letters in order. Ah oui, bah comme... d'accord. S. K. Quoi? Je suis tombé dans un trou. Ah, il faut faire... Ok. A. T. X to all the other gap, d'accord. S. T. E. Donc, il faut de la place pour tourner. On peut sauter. Press X to land. Oups. S. K. Ah. Ouais, faut que j'aille par là. Du coup, on peut globalement se téléporter entre les half pipes. S. K. Ah merde. Je peux pas tourner, c'était en même temps. Pas faire demi-tour là. Là je suis bloqué. Si je viens là, j'ai le T. C'est pas bien. Ta. Je vais même pas dans le bon sens. S. K. Skeet. Ah mais je suis bête. Il faut sauter au-dessus de ça et au-dessus de ça. A, T, E. Bah oui. Congratulations, Legend tells of 4 hidden trophies. How many can you find? Quoi? Hidden trophies.
Donc là, c'est forcément avec un S. Steak. Ouais. C'est vrai. Oups. Ouais. Et enfin... J'avais déjà fait ça en plus, Styx. Ça veut rien dire. Du steak. Steak. Takes. Takes, j'ai pas eu. Oups. Ah oui, mais merde. Ok, il est un peu mal placé là. Hein quoi? C'est un bug ça? Bizarre. Je sais pas c'est quoi le dernier mot. Il y aura un mot secret pas trouvé. Si ça se trouve, il y avait un autre mot dans un autre niveau. Enfin, c'est bizarre, il y a 4 mots, 4 niveaux. Parce que... ça pourrait être... Ti... Texa. Non. Tix. Est-ce que j'ai essayé ça? Disque. Ah, c'était Tix.
Qu'est-ce que ça veut dire tix? Tix, pluriel de tic. Ok, c'est quoi tic? Teg, bois, couleur. Quoi? Tic. Quoi? Anglais. Et portugais, teca. Tic. Donc c'est des... un type de bois, quoi. Du teck comme dans les meubles en teck. Ouais, du coup, ouais. Qui peut aussi être une couleur. Je sais pas si j'avais déjà entendu ça en anglais. Ok. Bah c'était rigolo. J'aime bien le côté Tony Hawk comme ça. Ça rendait vraiment bien quand tu... quand t'apprends à bien utiliser les halfpipes. Ça rend étrangement bien en vue du dessus. Alors, an icy ascent. Il y a un petit répétition dans le son. Par Sprat. Donc deuxième jeu d'escalade sur des surfaces glacées. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert dans un autre onglet. Ah, c'est un jeu Pico 8. On va peut-être avoir de la musique. On dirait pas. Il n'y a même pas de son pour le fruit. On peut grimper. Ah, ça c'est... ça recommence le jeu si je fais ça. Ok, ne pas appuyer sur X. On peut pas descendre. Des drapeaux. Donc est-ce qu'on peut... Ok. Amusant ça. Amusant. Amusant mais embêtant. Comment je fais moi? Ah mais si, parce qu'on peut monter ensuite de là, non? Ah bah non, parce qu'on... ouais. Le problème, c'est lui. Bah ouais, il tombe à chaque fois. Ok, idée. Voilà. Et là... on vient ici et on monte là. Ouais. Ok, il n'y a rien en bas. Là, oups. Merde. C'est chiant qu'il n'y ait pas de vrai rewind. Le problème, c'est que lui, il tombe dans le vide. Si je fais ça, je tombe dans le vide aussi. Donc faut que lui ici survive. Ah mais comment je vais de l'autre côté? Ok, comme ça. Comme ça et comme ça. Et donc là, je meurs. C'est ce que j'espérais. Je peux pas passer par en bas. Important. Si je fais ça, lui il tombe. Merde.
Là aussi. Bah ouais. Là, je peux pas monter. Si, je peux monter. Oui. Merde. Bah oui. Ok, c'était la suite. Ah! On peut pas bouger. Je vois pas comment je pourrais faire ça en un coup. Ok, reviens en arrière. Toi, on te bute et ensuite. Toi, on te bute et ensuite je passe de l'autre côté. Qui meurt. Et lui, il tombe. Donc c'est pas bon. Pourquoi j'essaye de supprimer ça? Ah non, parce que quoi que je fasse ici, je fais tout tomber. Parce que ça fait qu'une ligne. Alors faut que je le fasse en deux temps. Si je fais ça, ça tombe. Il faudrait que je trouve un moyen d'ensuite tomber moi-même. Pas possible. Pas faire ça et en même temps être sur la glace à gauche. Parce que là, quoi qu'il arrive, je sais jamais si on voit la souris. Quoi qu'il arrive ici, ouais, mais on voit pas sur l'écran. Ça fait un chemin d'une ligne, donc je peux pas aller de la droite vers la gauche. Et eux, ils tiennent que par ça. Si je fais ça, lui, il tombe. Et maintenant... Moi, je suis là, voilà. Et là, j'arrive en bas. Là, je suis là, ok. Et c'est là que j'arrivais sûrement en allant à droite. Ouais. Il y a quelque chose là? 4 sur 8, il manque. Ok. Il n'y a pas d'option pour revenir. On va voir si je peux. C'est assez rapide. On va voir si j'arrive à avoir plus. Surtout la première. Maintenant que je sais comment ça marche. Donc on peut pas se suicider. Ok. Donc si je veux L, il faut que je passe par là. Si je veux passer par là, il faut que je fasse. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça et ça? Non, si je fais ça et ça, et que je retry, et que je viens là, ok, intéressant. Jusque-là, je peux revenir en arrière. Ah, mais le problème... Ok, c'est ça. Oui. J'aimerais juste bien savoir quand il y a une transition ou pas entre les écrans.
Lui, je l'avais juste pas du tout visité. Ah ouais, j'avais pas du tout fait cela. Hein. Alors, le problème de lui, c'est... Voilà, on peut pas juste monter. Et ça va être le même problème pour eux. Sauf que... Voilà, là, on peut faire un pont. Non, un de trop. Merde, c'est vrai qu'on peut pas rewind. Chiant, ça. Donc là, on en a deux, tout à gauche. Faut que je fasse... Tac. Tac. Tac, 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 tac. Ok, donc lui, il peut être là. Je crois. Non, il faut qu'il soit un cran au-dessus. Bon, on verra bien. Ah, ok. On va commencer par là. Ce sera plus simple à aligner, je pense. Non, ça c'est pas ce que je veux. Ah, mais putain, c'est vrai que... C'est chiant ça, c'est chiant. Ça c'est trop. Ok, je crois que c'est bon. Tac, 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 tac. Ouais, parce qu'il te force à être en bas. Je sais que c'est du boulot de faire un rewind, mais un jeu comme ça, c'est un peu nécessaire. Je crois que ça va pas marcher parce que là. Ah si, c'est bon. Mais non, mais pas du tout. Mais n'importe quoi. Tellement occupé à faire le chemin que j'ai oublié la... Oublié la conclusion. Donc lui, il faut absolument que ce soit... Non. Non, parce qu'une fois que j'arrive ici, si je monte, ça annule tout. Si je descends, c'est pareil. Donc il faut que ce soit un cran plus haut. Voilà. Si c'est pas ça, j'ai perdu. Ce qui veut dire que lui. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen? Je sais pas ce que je peux faire. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a...
Il a plein de hauteur là sur son truc de glace. Parce que lui, je peux que le descendre. Ah, ils avaient pas prévu ça. Voilà, là techniquement je pourrais faire ça. Et donc lui il pourrait être un cran plus bas, mais s'il est un cran plus bas, je peux pas aller là-haut. Est-ce que si on est là, on peut le choper? D'accord, donc c'est ça. Il peut être un cran plus bas lui. Voilà. Lui, c'est pas important. Voilà. Et lui, il suffit juste qu'on puisse monter. Et là, c'est beaucoup trop bas déjà. Ah non, je peux faire ça. Mais non! Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais, parce que je pensais à ce truc-là. Mais c'est pas ça qui est important. Ça pourrait presque marcher s'il y avait plus de place. Il y avait un truc pour attacher en plus à gauche. Est-ce que je pourrais faire ça du coup? Je sais pas, ça me saoule de devoir tout recommencer à chaque fois. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça, tu tombes. Ah bah oui, et lui, il tombe pas. J'ai l'impression de louper un truc quand même. Là déjà je pourrais pas monter le truc vertical. Et en plus de ça, là, le coin, bah je peux pas passer. Donc au maximum, le truc il peut être descendu d'un cran. Fait. Il n'était pas impossible. Toi, par contre, il suffit juste que je sois un cran plus haut. Ça suffirait. Ça, c'est impossible à atteindre. Quoique, si, c'est tout à fait possible à atteindre. Ah oui, non, mais c'est là, c'est à chaque fois que je fais ça. Ça marche pas parce que c'est ça le minimum. Sachant qu'on peut pas se lancer, je comprends pas celui-là. Je ne le comprends pas.
Tu peux un bonus? Genre pourquoi ça? Pourquoi ça? S'il était un cran plus haut. Si tout était un cran plus bas, hein? Quand j'essaye de rewind, j'y arrive même pas. Lui, si je fais aucun effort, j'arrive. Comment j'ai fait tout à l'heure pour... Ah oui, comme ça. Là, je peux arriver à cette ligne sans problème. Est-ce que je peux arriver à la ligne d'au-dessus? On va faire ça étape par étape. Normalement, oui. Pas comme ça. De là, faire ça, ça et ça. Ok. Ensuite, ça revient en même. Ensuite, je peux aller à gauche. Donc, je peux aller sur la ligne qui est ici. Je sais pas si je peux faire mieux que ça. Pas l'impression, hein, parce que si c'est plus haut, je peux pas l'atteindre. Ensuite, lui. Il suffit du coup de le mettre. Là. Voilà. Sauf que là, je viens de partir sur la droite, ce qui fait baisser ça. Or, c'est ça qui pose problème. C'est pour ça que j'y arrive pas. Faut que je parte sur la droite. Où est-ce qu'on est? Ah oui, mais si c'est ça, je peux juste monter. C'est ce que je faisais tout à l'heure en fait. Si je monte, ça revient en même. Donc celui à gauche sert à rien. Et là, on arrive là. Ça c'est trop haut. Donc je peux être un cran plus bas, mais si je suis un cran plus bas, je tombe. Ok, là j'arrive là. De là. Si je monte, il y a tout qui s'écroule. Si je vais là, ça s'écroule aussi. Quoi que je fasse. Sauf que si je monte ensuite quand je suis... J'ai jamais fait ça? Tiens, je me déteste. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Story try, ok, donc là j'ai tout eu. Je crois qu'il y en a une autre que j'avais pas. Vais faire quelque chose là, non? Ok, lui je l'avais pas, je crois. Je crois que je puisse l'avoir par là. Parce que quoi qu'il arrive, c'est aligné. C'est aligné. C'est peut-être un truc où il faut le faire dans l'autre sens. Il est où le drapeau ici? Ouais, c'est pour ça qu'on peut retomber. C'est
ça qu'il y a de la glace qui permet de retomber, je crois. Si je fais ça, je reset, que je fais ça et que je viens là. Ah bah non, ça me remet ici, de ce côté. C'est pas ouf. Que ce que je veux là, c'est garder la partie du bas. Donc il faudrait que je détache la partie du haut seulement. Genre comme ça. Mais à partir du moment où je passe de l'autre côté, ça casse tout. Lui il vient jusque là. Et lui il vient jusque là. Ah, il pourrait être un peu plus bas. Oui, mais dans tous les cas, je peux pas avoir le fruit en passant à travers le sol. Donc il faudrait que ce soit vraiment la glace qui tombe là, ici, à ce niveau-là, pour me permettre de grimper en dessous. Parce que je crois pas que... Ouais, là, faudrait faire tout le tour pour voir. Je crois que je vais arrêter là parce que j'ai la flemme de refaire tout en entier. Je vais juste revérifier que là, ça j'avais fait. Et là, je retombe en bas, justement. Ouais, ça c'est vraiment juste revenir ici. On est bien, là. Ouais, je sais pas.